Bonjour, ce petit coin de nature est le cadre idéal pour vous poser la nouvelle question du jour. Bonjour à tous, c'est Laurent Marchand et Luc-Marie Elissal, dont plaisante, on est bien là. Il fait bon, il fait beau, la vie est belle et l'endroit est magnifique. Et on profite, enfin on continue avec les petites vidéos pour se poser des petites questions simples de la vie qui nous embarrassent tous et pour essayer d'apporter des réponses qui vous aident à améliorer votre condition de vie ou en tout cas la façon dont vous voyez les choses. Et aujourd'hui on va poser une question simple, une question qu'on entend souvent dans d'autres termes. Hein. Je vais la poser poliment. C'est quand est-ce que je vais enfin devenir heureux ? Quand est-ce que je vais enfin devenir heureux? Alors on l'entend nous avec d'autres mots, les gens nous disent « Ouais, j'en ai ras le cul de ces trucs-là, quand est-ce que ça s'arrête les emmerdements quoi? Quand est-ce que ça s'arrête les galères? J'en peux plus, je prends tout sur la gueule, quand est-ce que c'est fini ?» En fait, c'est quand même intéressant de se poser la question en des termes plus élogieux, plus jolis. Quand est-ce que je vais enfin devenir heureux? Pourquoi? Parce qu'on s'imagine qu'il faut toujours faire un milliard de trucs pour devenir heureux. Il faut faire, voilà. Il faut organiser sa vie de manière à trouver la stabilité dans sa relation de couple, la stabilité dans sa relation professionnelle, avoir de l'argent sur son compte, avoir des amis autour du barbecue qui nous félicitent, avoir des enfants qui sont gentils, qui disent bonjour et qui disent merci, s'il te plaît. Et en fait, on se rend compte, c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui ont construit ça et qui sont toujours des coquilles vides quoi, parce qu'à l'intérieur il n'y a rien, il n'y a pas de satisfaction. Et qu'est-ce qui fait que ces gens-là ne vivent pas la satisfaction de tout ce qu'ils ont construit? Et qu'est-ce qui fait qu'à côté de ça, les gens qui n'ont rien construit et qui sont super satisfaits, qui vivent bien, qui s'amusent de la vie, qu'est-ce qui fait que il y en a qui ont... Et puis qu'est-ce qui fait aussi qu'il y en a d'autres qui ont construit le truc génial avec 1 million d'euros sur leur compte et qui sont super heureux? Et qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui n'ont rien et qui sont super malheureux? En réalité, ça se passe pas du tout à l'extérieur, vous l'aurez compris, ça se passe à l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Eh bien en fait, c'est la qualité de la question qu'on se pose. Alors, vous allez voir que c'est à la fois très simple et en même temps très compliqué. Et très compliqué parce que justement, c'est extrêmement simple. Alors quand est-ce qu'on va enfin devenir heureux? Je vous le dis, ça peut être maintenant. Ça peut être là tout de suite, là, devant votre ordinateur. À partir du moment où vous vous posez plus la question de savoir qu'est-ce qui vous manque, mais que vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'il vous faut. Alors la différence entre les deux, c'est que si vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'il vous manque, un compte en banque avec de l'argent, l'âme sœur dans votre vie, une famille idéale et équilibrée, une maison, une voiture, etc. Si vous vous demandez ce qui vous manque, vous allez focaliser sur le fait de ne pas avoir. Et donc vous allez faire des efforts, poser des actions, générer des revenus, peu importe, pour vous acheter la maison. Et une fois que vous aurez la maison, et ben la question, ça va être qu'est-ce qui me manque ? Donc vous n'allez pas profiter de la maison, vous allez focaliser sur le manque suivant, la voiture, la conjointe, etc. Et à partir du moment où vous fonctionnez comme ça, vous passez d'un manque à l'autre et vous ne profitez de rien finalement. Il n'y a rien qui vous rend jamais heureux parce qu'il nous manque toujours quelque chose. Les gens qui sont multimilliardaires aujourd'hui, ils veulent aller passer des vacances sur la Lune. Donc on trouve toujours quelque chose qui nous manque. Ça, ce n'est pas un problème. La vie, le temps, l'expérience nous apprend toujours qu'il nous manque quelque chose. Mais on peut aussi se poser la question en d'autres termes et se demander qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qu'il me faut pour vivre le bonheur? Alors par exemple, il vous faut une conjointe. Alors vous allez faire des démarches, vous allez rencontrer des gens, vous allez les sélectionner et vous allez élire la personne qui serait la plus compatible avec vous-même. Et en fait, il vous faut cette personne-là, non pas parce qu'elle vous manque, mais parce que vous avez envie de vivre une relation agréable, équilibrée, belle, sincère avec cette personne-là. Quand on se pose la question « qu'est-ce qu'il me faut ?», au moment où ça arrive, eh bien, on le vit, on en profite. On passe pas tout de suite à se dire « bon, celle-là, c'est une blonde, c'est pas mal, mais est-ce que ce serait pas mieux une brune? Est-ce que ce serait pas mieux une plus sportive, une plus femme d'affaires, une plus ceci, une plus maman, une plus autre chose ?» On n'est pas dans le manque, on est dans la relation. On est dans ce, voilà, j'ai obtenu, je suis allé le chercher, hein, je suis satisfait de moi-même et de mes actions, mais maintenant que je l'ai, je le vis, je vis ça. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui se satisfont de peu, parce qu'ils sont allés chercher quelque chose qui est peut-être pas très important pour les autres, mais en fait, une fois qu'ils l'ont, une fois qu'ils vivent avec, eh bien, ils sont satisfaits de vivre ça. Alors ça peut être un téléphone portable, un ordinateur, ça peut être un conjoint, un ami, ça peut être un groupe de travail, ça peut être un job, ça peut être une somme d'argent sur son compte en banque aussi. Mais à partir du moment où on vit la satisfaction personnelle d'avoir ça, alors là, on rentre dans le processus du bonheur et on sort du processus du manque permanent. Donc oui, la réponse à « quand est-ce que je peux enfin devenir heureux ?», c'est peut-être maintenant, juste à partir du moment où vous arrêtez de vous poser la question « qu'est-ce qui vous manque ?», mais vous posez la question « qu'est-ce qu'il vous faut ?»
pour l'acquérir et pour en profiter. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que la quatrième journée de l'atelier qui va transformer votre vie, c'est une journée qu'on va dédier spécifiquement à ces questions-là. Qu'est-ce qu'il vous faut? Comment vous allez le vivre? Quel est le processus simple qui va vous emmener de ce que vous voulez à ce que vous avez? Parce que les gens passent leur temps à faire des rêves, mais en fait, ils ne savent pas du tout comment en faire des réalités. En fait, faire d'un rêve une réalité, c'est juste construire les étapes qui vont vous y emmener. Et après ça, bah, tout devient accessible, même un voyage sur la Lune. Donc, à partir du moment où vous commencerez à travailler avec nous cette quatrième journée, donc il y aura Luc, Marie, Elissa, Véronique Baudou, Virginie Tinet et moi, on va commencer à, bah, simplement à se dire qu'est-ce que je peux me permettre, qu'est-ce qu'il me faut, qu'est-ce qui va me rendre heureux, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir à l'intérieur et quel processus je vais mettre en place pour l'acquérir, pour le vivre et voilà, bon, juste me sentir bien, quoi, être heureux. Donc je vous invite à cliquer sur le lien, à aller sur la page et allez voir à la fois les autres vidéos avec les autres questions qu'on s'est posées avec Luc, Marie et Lissal, et aussi télécharger les petits tests qu'on a mis en ligne, regarder ce qui se passe pendant les ateliers et venir simplement, inscrivez-vous, que ce soit à l'atelier en live ou que ce soit au programme en ligne, inscrivez-vous et travaillez avec nous et vous allez voir quand. Voilà, l'espace de ces 4 journées dans l'atelier ou l'espace du programme en ligne, et ben vous allez définir ce qui vous correspond vraiment, vous allez dégager quelque chose qui est un vrai message, quelque chose qui vous correspond. Ensuite, la troisième phase, c'est vous allez créer des relations harmonieuses avec les autres. Et la quatrième phase, bah, c'est vous allez vous permettre de vivre ce que vous voulez. Vous allez trouver les processus pour l'acquérir. Et une fois que vous l'aurez, bah, vous allez en profiter, voilà, tout simplement, et être satisfait d'en profiter. Donc voilà, c'était Laurent Marchand, Luc-Marie Lissalde. À très bientôt pour une autre vidéo, pour une autre question, ou pas. Ciao.